Eh bien salut tout le monde, c'est KingGeek et aujourd'hui on se retrouve sur un peu, non pas un serveur Minecraft, mais un petit jeu qui s'appelle Simple Plan que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui est sur Steam. Donc c'est un jeu où on doit créer des avions un peu dans le style de Bessiège. J'ai déjà un peu joué, hein, c'est pour ça qu'il y a tout le temps de comprendre le jeu. Donc on va tout de suite commencer. Donc on va en créer un nouveau. Oui, je vais en créer un nouveau. Alors, voilà, donc le jeu se déroule en une partie où on construit l'avion et une partie où on le teste. Après, on peut faire plein de défis avec. Donc, je vais commencer par construire, alors. Tac. Ouais, on construit un tout bête, hein. C'est dur de construire un avion, je vous le jure. On passe très très longtemps. Construire un tout simple. Hop. Donc je vais construire ça et je me rappelle juste après. Donc voilà, j'ai commencé à construire ça, ça ressemble à rien, mais on s'en fout. Donc on a nos ailes, il nous faudrait peut-être quelque chose qui nous propulse. Qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà, on va prendre... Non, on va prendre ça, nous, parce qu'on est badass. Ah ouais. Ah ok. Peut-être un peu trop gros, c'est pas grave. Je vais faire un coup de mirror. Hop. Bah voilà, elle est bien. Tac. Les propulsions, c'est bon. Tac. J'ai vu que... J'ai vu un truc. Voilà, il faut mettre du fuel. Un bidon de fuel. Hop, on va le mettre salement comme ça. Tac. Donc, on a ça. Je suis pas du tout sûr que ce soit assez, mais c'est pas grave. Ensuite, on va prendre... Je remarque de faire comme ça. Non, justement comme ça, ouais, c'est bien. On va faire ça. Comme ça. Voilà, donc on a ça. Attendez, on va les tourner. Ça c'est fait, on va mettre des roues. Rétractable gear. Non. Voilà. Il est parfait. Alors. C'est parti. Waouh. Ok, j'ai compris. Ok, alors on va mettre des roues à l'avant peut-être. C'est pas intéressant. On va mettre ça. Hop. Tac. Tac. Non. Tac. Non, toujours pas. Là. Parfait. Ça, on va le mettre là. Et là, on va mettre un truc comme ça. Et ben voilà. Je vois pas ce qu'il y a là. Allez, on y arrive là. Oh, on décolle là. Oh, attendez, c'est quoi les touches? Oh, pétard. Allez. Ah non. J'ai pas mis d'aile pour décoller. Ah. Ok, d'accord. J'ai pas mis d'aile pour décoller. C'est un peu débile ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre stabilisateur, tac. Oui, c'est moche mais je m'en fous. Tac.
Hop, ta dame, c'est magnifique. Voilà, je présente le projet titan. Non, le projet titan, je l'ai déjà fait. Allez, allez, on y croit. Allez, allez! Ah oui! Ah oui, on a décollé! Ah non! Non, on avait décollé! Attendez, on va peut-être pas trop augmenter le moteur. Voilà. Macarena. Ah, j'ai compris pourquoi il va sur le côté. C'est ça, là. La contrôle surface. Voilà, c'est bon. C'est réglé. Donc, nous sommes repartis. Avec notre magnifique avion. Allez, hein. C'est toujours un strat pas. Eh, ça me semble bien comme ça. C'est parti! Allez, décolle, décolle! Ah oui! Ah oui! C'est trop beau. Superbe. Alors, on va commencer par avancer ça. Voilà. C'est peut-être un peu mieux comme ça. Un peu, je dis. Tac. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il faut agrandir les ailes comme ça. Hop. Comme ça. Tac. Attendez, vous savez quoi? On va faire comme ça. Et on est obligé de le faire manuellement. Tac. Voilà. On va faire comme ça là. Ensuite, on va faire un miroir. Tac. C'est Edit Shape. Non, c'est pas celle-là. Voilà. Hop. Maintenant, on va faire un mirror. Voilà. Il est magnifique maintenant. Ah, il est classe, hein. Hop, c'est parti. Non, peut-être pas. C'est parti! Pourquoi il décolle pas? Je comprends pas. Peut-être pas assez long. Allez! Oh oui! On décolle! On a décollé! Oh, c'est magnifique! C'est trop beau. Waouh, bah 800 km/h. Oh la vache. Oh pétard. On dirait un vieux truc tout pourri, tu sais, les jouets que t'achètes. Oh, on va essayer de... On va essayer de... D'atterrir. Oh mon Dieu. La nullité. Allez, redresse! Redresse! Vite, redresse, petit avion! Redresse! Très bien. Superbe. Ok, donc, on va plutôt agrandir. Tac. On va faire ça. 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 Ça, on va mettre un angle bloc comme ça. Un angle bloc comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Après, nous allons mettre ça. Tadam! C'est nul. C'est parti! Attendez. Oh ouais, hey, il est carrément mieux. Il est carrément mieux. Oh pétard.
On va enlever les roues, même si c'est pour les ressortir dans 2 secondes. Tac. Ridicule cet avion. Hop. Allez, allez. On va y arriver. On peut y le faire. Hop. On est bien là. Hein. Hop, on va ouvrir les roues. On va redresser. On va... Toujours plus haut. Toujours plus fort. Hop, et on va couper tous les moteurs. C'est parti. Oh non. Oh non, 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 on n'est pas bien du tout là. Oh non. Attendez, on va essayer de se réceptionner ici. Allez! Parfait. Oh la nullité. Bon. On va peut-être enlever ça. Peut-être qu'on peut mettre juste ça. On met juste un là comme ça. Mais soit elle est trop haut, soit elle est trop bas. Je comprends pas. Tac. 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 On va essayer de tourner un peu avant. Oh non, non, non. Ouf, c'est bon. Je vais tourner un peu avant. On va peut-être un peu ralentir. Oh, le fiole, il part tellement vite. Ça à quoi, ça? Ah, d'accord. Waouh. Le fiole, il s'est consommé tellement vite. Hop, on va essayer de s'arrêter sur la montagne. Allez, allez. On y croit. Ah, on va le louper. On l'a loupé. Hop. Alors sur cette montagne, on va essayer de s'arrêter. Ok, on y croit. On coupe les moteurs. C'est parti. Allez, on y croit. Aïe, aïe. Oh, attends, ça peut le faire là. Oh, oh, on était passé. Attendez, on a peut-être une chance là de s'arrêter avec une roue. Oh, redresse, redresse, redresse. Houston, je vous avais mis. Eh, vas-y. Attendez. Est-ce que je peux actionner le truc? Vu qu'il n'y a plus de fioul en fait. Donc, on se retrouve une fois que j'ai tout fait. Voilà, donc on se retrouve non pas avec l'avion qu'on avait commencé, mais un autre parce que j'ai commencé et j'en ai eu marre. Donc celui-là, c'est quand même moi qui l'a fait et vous pouvez voir que quand même, je trouve qu'il a de la classe. Donc c'est parti. Je suis attaqué. Mais le truc bien avec ce jeu, c'est qu'il y a des missiles et compagnie. Par exemple, là, je peux tirer. Vous voyez que j'ai un minigun et 2 petits pistolets. J'ai 2 missiles. Attends, on les voit pas là. 2 obus. Et 2 lance-roquettes. Vous allez voir que c'est juste extra. C'est parti. Vous voyez, j'ai 3 petits réacteurs comme ça et une hélice devant et ça fait l'affaire. Très sérieusement, ça marche bien. Hop. Par contre, lui va moins vite hein, que les autres que je vous ai montré. Ah mince, j'avais inversé.
C'est pas grave. Voilà. Donc là, on est bien. Vous pouvez voir. On va diminuer un peu la vitesse. Alors, on est parti. On va commencer par les rocket pods. Ouah, c'est énorme. Non, ça. Attention, voici une montagne. Oh, c'est énorme. Ensuite, les obus. C'est parti. On va lâcher un, on a lâché un obus. J'ai envie de voir ça. Oh, l'explosion. C'est stylé, hein. On va lâcher un autre. Adieu, petit obus. Oh non, non, non. Il a explosé où? Oh pétard! C'est tellement énorme! Ok. On va en tester un autre, parce que j'en ai fait d'autres aussi. Ça c'était le projet titan, ensuite j'ai fait le guild. J'ai donné plein de noms bizarres mais... à mes avions, mais je trouve ça cool. C'est parti. Gilbert Ameka 2, il est un peu mieux que projet titan. Il consomme moins. Donc, j'ai pas mal de trucs. Comme vous pouvez le voir. C'est superbe, j'ai cassé un truc. Ah oui, c'est vrai, pardon, j'avais oublié. En fait, j'ai... Non, c'est pas celui-là. Oui, j'ai le minigun qui est quasiment sur l'hélice. Et ce qui fait que c'est un peu... C'est un peu difficile à contrôler. Attendez, je vais baisser le son. Je vais baisser le son. C'est où? C'est où, option? Game setting, quarantaine. Ah, on peut mettre différentes météos. Few clothes. On va mettre l'orage. Enabled, just day. On va mettre 15h. Ok. Bah voilà. Bon, on peut pas baisser le son, c'est pas grave. On verra tout à l'heure. C'est classe, non? C'est parti. On peut faire une autre caméra que j'adore. Celle-là. Bon, là, on n'est pas pour la caméra. On est pour les missiles. Ok, donc, il me semble que l'inferno, il faut une cible. Ouais, voilà. Le rocket pod. Hop. On va tout péter. C'est bon. Ok, on va balancer le boom 50. Miaou. J'ai pas vu l'explosion. Y'a pas d'explosion. Oh non, ah si, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, quand même. D'accord. Ensuite. Oh, mon dieu. Allez, on y croit. Je n'ai plus de châssis. Allez, on va tirer. On va faire comme ça, là, comme dans je sais plus quel film. En gros, le mec, je crois que c'est dans Green Lantern. Il a ses... Enfin, il va jusqu'à l'orbite et il désactive ses... Du coup, comme il va trop haut, il désactive ses trucs. Et à un moment, il a... Pour tuer les deux mecs, en fait. Les deux autres avions. Et en gros, il descend du ciel. Il fait... Sauf que lui, il a un gilet de sauvetage. Nous, nous n'en avons pas. Et on est baisé. Voilà. C'est superbe. Donc, on va en tester d'autres. J'en ai téléchargé. Air Battle. C'était quoi? Ah oui. Ah, oh, ça, c'est trop bien. C'est l'hélico. J'en ai téléchargé plein, en fait. C'est parti. Oups là, pas trop fort, pas trop fort.
Waouh! Stop, 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 stop. Tranquille, tranquille. Non, non, non. Allez, allez. J'arrive pas à rester stable. Bon, c'est pas grave. On y va, on est des fous. Ok, on va essayer d'y aller en fait. Parce que là, on n'arrive même pas à y aller. Ok, d'accord, on va changer parce que c'est juste horrible. Tac, load aircraft. Mad Dog. Ah oui, je me rappelle de celui-là. Il est trop classe, même s'il va pas très vite, il est trop classe. Regardez ça. C'est pas classe. Allez, c'est parti. C'est quoi les deux petits trucs là? Pas grave. Waouh! Il est encore plus classe avec les roues fermées. Je vous jure, cet avion, il est énorme. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a que des missiles, donc ça veut dire qu'on va devoir les jeter comme ça. Oh pétard! Calmos! Stop! Oh mon dieu! Pétard! Ok, d'accord, on va passer au suivant. Bateau volant. Ça c'est le bateau de steampunk. Bateau volant steampunk. Tac. Donc c'est parti. Wow wow wow, la caméra. D'accord. Alors, c'est parti. On va y aller tout doucement. Énorme, on peut avancer juste comme ça. Ah, je veux pas vous faire passer devant. C'est parti. Wouhou! Non, 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 non. Allez, allez. On y croit. Retracting landing gear. Oh la vache. Oh le machin. C'est là. Quoi? Ah. C'est parti. Oh, ça va péter en dessous, je vois là. Allez. Oh, c'est énorme. Hop. Non. Allez, allez. Attendez, je vais regarder au niveau de la caméra. Oui, on va se calmer peut-être. Bon, ça va péter, oui. Oh. Ça veut pas péter des... Ah si, voilà. Quand même. C'est parti. Tu es déjà ça. Ah, j'ai des trucs en arrière, en avant, ils piquent. Prêt. Oh, énorme. Ça fait vraiment le bateau steampunk. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous réserve le meilleur pour la fin parce que je connais par cœur mon avion, c'est le meilleur. C'est le Comator. Vous allez le voir, il est pas très classe, mais il est horriblement rapide. Le planeur, moi, bof. Il y a le projet fromage que j'ai pas fini. Il est presque fini, hein. Il n'y a plus grand chose à faire. Ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Je crois que c'est bon après. Ah si, le Wasp. On va essayer. On va pas essayer de faire là, on va faire ça. Random, on s'en fout. Alors donc on va sélectionner le Wasp. Voilà, donc ça c'est nous qui le contrôlons. Et on va jouer contre le Titan. What? Il est un peu bugué. Ok, ok. Ok, donc. Parti de là, désolé, mais on doit se mettre comme ça.
Hop, on va prendre des interceptors. C'est parti. Alors si je savais où il serait, ce serait peut-être bien. Très bien. Cela a bugué. Ok. Allez, avant de se quitter, on va faire l'avion que je vous avais promis qui va très vite. Donc c'est parti. Vous allez voir qu'il fait environ 2000 km/h facile. Ça va nous permettre d'explorer la deuxième île. Ce qu'il n'aurait pas déjà vu et qui joue à ce jeu. Hop. Regardez. Regardez à la vitesse où je vais. Sachant que c'est des MPH, je ne sais pas c'est quoi la traduction. Mais je crois que c'est 1 MPH et 1,4 ou 1,7 km/h, un truc du genre. Donc c'est juste énorme. Là. Je vais à la vitesse d'un avion de ligne. Non, plus même. Deux fois plus. Il y a une île là-bas. Regardez. On va bientôt à 2000 MPH. C'est juste énorme la vitesse où il va cet avion. Vous faites ça en fait. Vous faites Nice-Paris en 10 minutes. C'est juste énorme la vitesse. Ça va. Qu'est-ce que j'ai? Oui, je balance tout. C'est juste énorme. Regardez à la vitesse où je vais. Bientôt les 2000 MPH. Cette fois, il y en a encore un autre à dormir. On va voir avec s'il y en a encore un autre. Ah, ça fait le truc là. Mais est-ce que je veux dire? Est-ce qu'il y en a encore une là-bas? Je pense que non. Ouais, non, regardez. Non, parce que le son vient de lâcher. Je pense que c'est pour ça. Oh, regardez, les moteurs ne marchent plus. Ah non, j'ai plus de fuel. Bon, bah. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu. Oui, c'est la fin, hein, pour ceux qui se le demanderaient. N'hésitez pas donc à la liker, à laisser un commentaire ou encore à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !